النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. Salam alaikum, bienvenue à tous et à toutes dans votre émission Islam aujourd'hui. Nous avons la grande joie de recevoir la professeure Khadija Kchouk, venue de Strasbourg. Oustaza Khadija, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatoullah. Donc c'est la première fois que vous nous visitez ici dans les studios de d'Oumma, donc on va faire une présentation. Alors vous êtes doublement docteur. Donc vous êtes tout d'abord docteur en langue et littérature arabe, vous êtes diplômé à l'université des lettres et des sciences humaines de Tunis. Vous avez soutenu une thèse sur la poésie arabe contemporaine. Et vous êtes aussi docteur, lauréate de l'Université de Strasbourg. Et votre thèse, cette fois-ci, portait sur le sujet suivant, l'héritage du soufisme dans la poétique arabe contemporaine. Alors, vous avez aussi enseigné dans plusieurs endroits, dont l'Université de Tunis. Et aujourd'hui, vous êtes enseignante à l'IMED, l'Institut musulman d'enseignement à distance, et vous êtes membre dans différents conseils. Alors je citerai peut-être le GERI, le groupe d'études et de recherche islamologique de la faculté de théologie protestante de l'université Marc Bloch de Strasbourg. Alors la présentation serait vraiment très très longue, vous me pardonnerez. Vous avez aussi écrit quelques ouvrages que je souhaite présenter ici. Tout d'abord, ces trois volumes qui porte sur la langue arabe en 13 leçons. Donc là, il y a le premier tome, puis le second, puis donc le troisième. Ça a été publié en 2010 par les éditions Zénith. Et vous êtes aussi l'auteur donc de cet ouvrage, Al-Mar'a al-Muslima wal-Hamalat al-Gharbiya, excusez-moi, Diddaha. Diddaha, voilà, donc ça... Faut que je révise mon arabe, hein. Voilà. Donc c'est un livre qui a été écrit en arabe et qui éventuellement pourrait être traduit donc dans les années qui suivent. Alors ça a été écrit en 2010, hein. Voilà. Donc il y a d'autres travaux en cours. Vous avez écrit aussi de nombreux articles. Vous participez à différents colloques en Italie, en Suisse, etc. En tout cas, on est très très content de vous recevoir aujourd'hui et de faire votre connaissance donc chez Oumma. Alors on va faire plusieurs émissions donc sur l'importance de la langue arabe, sur la disparition éventuelle. Est-ce qu'on peut parler de disparition aujourd'hui de la langue arabe? Et voilà, donc sans tarder, on va commencer par une première question. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la relation entre le premier mot révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est « iqra », donc « lis », et l'apprentissage de la langue arabe? Jazakum Allahu khayran pour cette invitation. Donc, pour répondre à votre question, comme nous le savons tous et toutes, le premier mot qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam est le mot iqra, que l'on peut traduire par lit ou bien récite. À travers ce mot, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'ordre au prophète et par la suite à tous les autres musulmans et musulmanes d'essayer d'acquérir la science, d'essayer d'acquérir la connaissance. Et comme nous le savons, la connaissance est le moyen d'acquérir le pouvoir, parce que en islam nous avons l'obligation d'être bon et fort, d'être juste, d'être équitable, d'être responsable, et donc pour pouvoir changer des choses nous devons acquérir le savoir, puisque le savoir est le meilleur moyen d'accéder au pouvoir. Et vous parlez du savoir de manière générale. Le savoir d'une manière générale. Ce n'est pas que le savoir musulman. Ce n'est pas seulement le savoir islamique. D'accord. Et nous savons également que la connaissance est un domaine très large, pour ne pas dire c'est un domaine infini. Nous savons que le temps des savants érudits qui se permettaient de connaître
Tous les domaines tels que El-Jahaz, vous le connaissez sûrement, c'est le penseur arabe et le prosateur de l'époque abbasside qui se vantait de pouvoir lire toute note qui lui tombait dessus, qu'il trouvait même jetée à ras du chemin. Et El-Jahaz donc avait l'opportunité de lire tout ce qu'il trouvait devant lui. Actuellement, cela est quasiment impossible. Nous n'allons pas nous disperser, nous n'allons pas perdre notre temps et nos efforts à lire tout ce qui nous entoure, à commencer par les publicités et autres. Et donc, la connaissance est un domaine très vaste. Et comme notre vie est bien entendu limitée par le temps et par par notre condition humaine, il faut absolument qu'on focalise le domaine de la connaissance que nous cherchons. Et en tant que musulmans et musulmanes, le meilleur savoir, la meilleure connaissance concerne la religion islamique. Et donc, il faut absolument essayer d'acquérir l'islam, si l'on est musulman, si on s'intéresse à cette religion. Il faut essayer de bien connaître l'islam, et pour connaître l'islam, il faut absolument pouvoir accéder, pouvoir lire ses sources originelles, c'est-à-dire le texte coranique, et essayer de comprendre la sunna prophétique. Cela ne peut se faire que si on parle bien la langue arabe. Et donc, ce verbe de iqra revient à notre avis, revient à donner, à nous inciter à acquérir la langue arabe pour pouvoir accéder aux sources de l'islam. Puis d'ailleurs, il y avait pas mal de savants musulmans qui n'étaient pas arabes, qui ont fait cet effort, comme Bukhari. Oui, barakallahu fikum, justement, Al-Bukhari, qui est né à la ville de Bukhara, en Ouzbékistan, il n'était pas d'origine arabe, et cela ne l'a pas empêché d'être le muhaddith le plus célèbre. Et donc, il a écrit son sahih. Dans un autre domaine, il y a également Sibawayh, qui est né à Shiraz, la ville iranienne actuelle. Il n'était pas arabe, et cela ne l'a pas empêché pour autant d'écrire le plus célèbre, l'ouvrage le plus connu dans la grammaire arabe, qui est intitulé Al-Kitab. Lorsqu'on parle de Al-Kitab, en général, avec l'article défini Al-Kitab, cela veut dire qu'on parle ou bien du texte coranique, ou bien du livre de Sibawayh. Et c'était autant de personnalités savantes qui étaient motivées par l'islam et par... Enfin, ils étaient portés par le mot « iqra li », si je comprends bien. Voilà, d'accord. Alors, si vous pouvez aussi nous dire quelle est la relation entre l'islam et la langue arabe, avec peut-être un peu plus de détails, hein, puisqu'on sait qu'on peut être musulman sans être arabe, comme on peut être arabe aussi sans être musulman. On peut être arabe juif, arabe chrétien. Donc, quelle est cette relation, s'il vous plaît? Tout à fait. En effet, c'est là une réalité incontestable, puisque l'on peut être musulman sans être arabe. Il y a des musulmans turcs, il y a des musulmans chinois, des musulmans indonésiens, mais il y a également des arabes qui ne sont pas musulmans. Il y a des arabes chrétiens, des arabes juifs, et des arabes athées ou même laïcs. Donc, être arabe, cela ne veut pas dire systématiquement être musulman. Et l'inverse est également vrai. Tous les musulmans ne sont pas des arabes. Voilà. Donc, si nous voulons montrer la relation entre l'arabicité et l'islam, cela nécessiterait que l'on essaye d'expliquer le mot arabe et arabicité. Puisque dans toute étude scientifique, il faut absolument commencer par essayer de définir la terminologie, essayer de définir les termes que l'on utilise. Donc si on ne veut pas se plaire à expliquer la notion de l'islam, tout le monde le connaît, je présume, on va essayer d'expliquer le mot arabe. Alors justement, comment on fait pour être arabe? Parce que j'ai cru lire dans plusieurs ouvrages, et vous me corrigez, qu'on est arabe dès lors qu'on parle l'arabe. Qu'est-ce que vous pensez donc de cette théorie, ou est-ce qu'on est arabe parce que ma maman est arabe, mon père est arabe, est-ce que c'est pas filiation finalement? Oui, jazakallahu khairan pour cette question, c'est une question très pertinente, mais avant d'y répondre, je préfère, si vous le permettez, passer par d'autres petites remarques. Je vous en prie. Et donc, pour définir le terme arabe, nous avons un livre référence, et tout le monde le connaît, le livre d'Ibn Manzour, le philologue arabe du 8e siècle. Son livre s'intitule « Lisan al-Arab ».
arabe. Et donc, si on se reporte à ce, livre... ce dictionnaire, peut-être. C'est un dictionnaire, oui, tout à fait. C'est un dictionnaire. Dans ce dictionnaire, Ibn Mardour définit le terme arabe en le mettant en rapport avec le verbe. Et donc, c'est le verbe « aruba ya'rubu uruban ». Que veut dire ce terme ?« Aruba rajlou » veut dire qu'il s'est exprimé avec éloquence et d'une façon très claire. Ibn Mandour nous rapporte également que ce verbe peut être attribué au pur sang. Donc on dit qu'un pur sang a arabe, c'est-à-dire qu'il a éni d'une certaine façon qui prouve qu'il est très racé, qu'il s'agit bien d'un pur sang arabe. Ce verbe signifie également que la façon dont il a éni prouve qu'il est prouve clairement qu'il est impur sang. Donc cela explique, c'est une sorte d'éloquence, c'est un code qui est très parlant. Ibn Mandour spécifie également que ce terme de arabe a donné l'attribut aroub. Le aroub, c'est un adjectif avec lequel on qualifie les jeunes épouses lorsqu'elles expriment leur affection à leurs époux. Son contour est d'une façon équivoque. Donc on dit qu'elle est aroub, c'est-à-dire qu'elle s'exprime très bien, qu'elle montre bien ses sentiments vis-à-vis de son époux. Pour Ibn Mandour, donc l'arabe, c'est celui qui est éloquent, celui qui s'exprime très très bien, comme la jeune épouse. Voilà. Et donc qui ne cache pas ses sentiments, qui sait s'exprimer. Et donc là, ce qui n'a rien à voir finalement avec les liens de sang, quoi. On va y arriver, inchallah. Et donc ça, c'est le sens étymologique du mot aruba et arabe et arabe. Du point de vue conventionnel, Ibn Mandour définit le mot de l'arabe en nous disant que l'arabe sont jil min al-nas ma'rouf bi khilaf al-ajam, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une génération d'hommes qui sont par opposition aux ajam, qui ont vécu sur la terre des Arabes. Et nous retrouvons un autre philologue qui a précédé Ibn Mandour, qui est du deuxième siècle de l'Égypte. Ce philologue, c'est Qatada Ibn Nu'man. Lui, il définit encore plus, d'une façon beaucoup plus explicite, le sens conventionnel du terme l'arabe. Et il dit, l'arabe, c'est tout homme vivant en terre arabe et parlant la langue arabe, la langue des Arabes. Là, nous voyons que le sens conventionnel du terme arabe est un sens qui ne relie point l'arabicité à une filiation sanguine. Donc là, si vous suivez bien, donc là, c'est le sens conventionnel que vous donnez, donc il faut vivre sur une terre arabe et parler la langue arabe. Et la version de Ibn Mandour, c'était... Ibn Mandour, il s'est intéressé surtout au sens étymologique. Au sens étymologique et non conventionnel. Voilà. D'accord, très bien. Donc c'est Qatada Ibn Nu'man qui a bien précisé le sens conventionnel. Et donc, d'après Qatada, ce sens conventionnel nous montre que l'arabicité, ce n'est pas une idée ce n'est pas une idée raciste. En quelque sorte, ça n'a rien à voir avec les notions xénophobes ou autres. Et c'est dans ce sens que nous comprenons que on peut être arabe sans être musulman, tout comme on peut être musulman sans être arabe, puisqu'on peut vivre en terre avec les Arabes, on peut les côtoyer et apprendre la langue arabe sans pour autant renier son judaïsme, par exemple. Et donc, alors quelque part, on peut être français de souche, vivre dans un pays comme l'Égypte. Et parler l'arabe littéraire, on est arabe. Ah oui. Oui, très bien. Voilà. exactement. Voilà. Très bien. Et donc j'ai répondu un peu à votre question qui met en relation l'arabicité avec l'islam, il y a un troisième sens du terme arabe, c'est le sens religieux. D'accord. Il serait différent. Il est différent. Alors, si vous pouvez justement... Justement. C'est vrai que le mot arabe apparaît à plusieurs reprises dans le Coran. Voilà, exactement. Donc, qu'est-ce que nous entendons par sens religieux ? Le sens religieux, c'est le sens
qui est mise en valeur par les versets coraniques et même par la sunna prophétique à travers l'utilisation du terme arabe. Et donc, si nous voulons faire un suivi, si nous voulons faire une sorte d'étude de tous les termes du mot arabe et de ses dérivés dans le texte coranique, nous trouvons que le texte coranique utilise le mot aroub, qui est le pluriel de qui est le pluriel de aroub, aroub étant l'attribut avec lequel on qualifie la jeune femme qui exprime ses sentiments vis-à-vis de son époux. Et ce terme de urouban a été utilisé une seule fois dans le texte coranique. Par contre, nous trouvons le terme arabiyun ou bien arabiyan qui est utilisé 11 fois. Et le terme arabe est utilisé 10 fois dans le texte coranique. Est-ce que ça veut dire la même chose à chaque fois ou... C'est presque la même chose. Nous n'allons pas entrer dans les détails, mais généralement, ce qui en ressort de ces différentes utilisations, c'est une idée que je trouve personnellement révolutionnaire, qui a été soulignée par un penseur syrien contemporain du nom de Khaled Mohamed Hamad. Et ce penseur est arrivé à une idée que je vais essayer de développer tout à l'heure. Mais avant cela, je préfère, si vous permettez... passer en revue quelques versets coraniques qui parlent de ce terme, qui utilisent ce terme de arabe. Par exemple, nous trouvons le verset qui est cité dans la sourate An-Nahl, c'est le verset 103, qui dit « وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. » Ce qui nous intéresse dans ce verset coranique, c'est « هَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. » Donc ceci est une... Je vais traduire rapidement, oui, c'est pas grave. Donc ceci est une langue, hein, pour le mot lisan, arabi, donc on va dire entre guillemets arabe, parce que vous voulez parler d'une idée révolutionnaire qu'on n'oublie pas, mubine, clair, quoi. Oui, tout à fait. Et vous me corrigez, bien sûr. Tout à fait. Dans surat Ash-Shu'ara, le verset 180, 25, on trouve également la même expression bilisanin arabiyyin mubin, donc en une langue arabe très claire. Dans sourate Ash-Shura, le verset 7, nous trouvons وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. Donc vous voyez, arabiyyin, Coran qui est arabiyyin, c'est-à-dire arabe. Hein. Voilà. Et donc là, dans tous ces versets coraniques, nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala met en relation la notion d'arabicité avec le Coran. Oui, c'est clair qu'on focalise beaucoup dessus. On pourrait même croire peut-être qu'il y a un peu de xénophobie. Voilà, éventuellement. On pourrait s'imaginer ça. Voilà. Donc, jazakumullahu khair, mais il faut préciser que cela n'a rien de raciste, bien entendu, puisque nous savons tous et toutes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bit taqwa. C'est un hadith qui a été rapporté par Ahmed ibn Hanbal. Que veut dire ce hadith? Il veut dire que la seule valeur que peut prétendre un arabe par rapport à un non-arabe réside dans la valeur de la piété. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre que arabe est en relation, peut être mise en relation avec la notion de taqwa. Là, nous voyons que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam établit, spécifie, nous fait remarquer clairement que tous les êtres humains sont égaux, qu'ils soient arabes ou non arabes, qu'ils soient arabis ou bien ajami, et que la seule valeur qui pourrait éventuellement les distinguer réside dans leur piété et rien que la piété. Et donc là, nous voyons que... Alors pourquoi justement parce que bon, Yanni, donc là le hadith hein, qui comment dire insiste bien sur la notion de taqwa, c'est ça le plus important et non pas et d'égalité entre arabe et non arabe. Et non, donc finalement c'est pas l'arabicité qui est mis en avant, on est bien d'accord dans ce hadith. Mais pourtant le Coran il insiste dessus. Voilà, ça voilà, Coran justement arabe, donc cela pourrait sembler être une sorte de contradiction entre le texte coranique et la sunna prophétique, voilà, et cela venir, ne peut pas être comment expliquer cela? C'est là que je reviens à l'idée révolutionnaire, si l'on peut dire, de ce penseur syrien qui explique l'arabicité
par une nouvelle signification. Il lui donne une nouvelle notion, une nouvelle portée. Quelle est cette portée? C'est justement c'est la relation entre l'arabicité et la véridicité. Donc l'arabe c'est celui qui est sur la voie de la vérité. Comment est-ce qu'il est arrivé à cette idée? C'est que il a creusé en quelque sorte la notion, le sens étymologique de ce terme. Mm-hmm. Puisque rappelons-nous que au sens étymologique, être arabe, c'est bien s'exprimer. Et le fait de bien s'exprimer, que veut-il dire le fait de bien s'exprimer? Cela veut dire que le signifiant correspond tout à fait au signifié. Donc le mot que nous choisissons correspond tout à fait à l'idée que nous voulons exprimer. Donc en réalité, l'arabe, le fait d'être un arabi dans ce sens-là, c'est le fait qui relie la vérité à la réalité. Si vous pouvez développer cette notion de signifiant et signifié. Voilà, signifiant et signifié. Le signifié, c'est la notion que nous voulons exprimer. Comme par exemple. Par exemple, la notion de hurriya, par exemple. La liberté. Oui. Et donc, et le signifiant, c'est le terme que l'on va utiliser pour nommer cette notion-là. Qui est le mot hurriya. Mm-hmm. Donc, en arabe, par exemple, on va dire hurriya. En français, on va dire liberté. En anglais, on va dire freedom, je présume. Et donc, la même notion, elle est là. C'est la notion que tout le monde connaît ou que tout le monde espère avoir, et chaque communauté va mettre un signifiant différent, un terme différent pour exprimer cette notion. D'accord. Et donc les termes arabes, d'après ce penseur et d'après le sens étymologique que nous avons vu, les termes arabes correspondent tout à fait au signifié que nous voulons exprimer. Donc il y a un tatabur entre ce qu'on appelle le mabna et le muhtawa. Si nous poussons un peu cette idée, nous trouvons un tatabur, une correspondance entre le zahir et le batin, c'est-à-dire ce qui est apparent et ce qui voilà, est entre ce qui est dit caché et ce qui est caché. Donc entre ce que nous disons et ce que nous ressentons. Et donc là, ce penseur, en se basant sur ces versets coraniques, a vu que chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala utilise le terme arabe ou bien arabi, il le met en relation avec la notion de clarté, avec la notion de raison et autres. Et donc, il a tiré la conclusion que l'urubatu, c'est le fait de vivre soi-même l'arabicité. Donc, l'arabicité, c'est le fait d'être soi-même et d'exprimer ce que l'on ressent clairement. Et donc, c'est de faire correspondre l'intérieur à l'extérieur, d'être à la sirat al-mustaqim, qui n'est pas une sorte, disons, le mot. Pas une sorte de double jeu ni d'hypocrisie. Et donc, l'urubatu est en relation directe avec le fait d'être sur la bonne voie, d'être à la sirat al-mustaqim. Là, nous voyons que être arabe veut dire être musulman. C'est une idée qui peut choquer, mais vous voyez qu'on y arrive. Mais selon l'expression coranique, quoi. Voilà. Et non pas linguistique. Voilà. Si nous donnons à ce terme arabe une portée religieuse. D'accord. Voilà. Alors, avec ce sens-là, je peux me permettre, comment on traduirait le mot arabi dans les versets qu'on a cités, quoi? Bilisanin arabi in mubin, quoi. Comment on traduirait ce verset concrètement? Bilisanin arabi. Et donc, cela dépendra du contexte. Il faut voir tout le sens du verset coranique. Et donc, dans quel contexte il apparaît, pour essayer de lui donner la bonne traduction. Par exemple, quand dans la sourate, par exemple, dans le Coran, il est marqué, donc, « Inna anzalnahu Qur'anan
On l'a fait descendre, hein, oui. Donc en tant que Coran, livre, hein, arabiyan, en langue arabe, la'allakum ta'qilun. Voilà. Peut-être allez-vous venir raisonner. Oui. On a un contexte peut-être éventuellement. Voilà, oui, le contexte là, qu'est-ce qu'il dit, si on peut essayer de comprendre, de creuser un peu le sens. Là, nous voyons que le terme ta'qilun et le la'allakum, peut-être que, dans l'espoir que, afin que, donc l'aql que vous accédez au aql et ce aql c'est donc la raison, c'est la raison, c'est la résultante de du fait que le texte soit écrit, soit révélé en langue arabe. Quelle est la relation entre le aql et la raison? Là, je me permets de revenir au sens étymologique. Vous savez que le aql, c'est le masdar, comme on le dit en arabe, qu'on appelle, c'est le nom de l'action du verbe aqala. Aqala, au sens étymologique, signifie que l'on attache l'animal, le chameau ou autre, pour l'empêcher de se perdre. Et donc, d'où le mot al-aql. Al-aql, ça a donné la raison. D'accord. Pourquoi la raison? C'est la raison qui généralement est. Pour nos auditeurs, il faut qu'ils puissent bien suivre, hein, parce que c'est vrai que c'est un sujet un peu complexe. Oui. Voilà, du coup, il faudrait que vous nous expliquiez bien donc la relation entre le sens étymologique du mot aql et le sens qui lui est donné, qui est la raison en fait. Oui, plus tard, finalement, il y a eu. Oui. Peut-être une évolution. Une évolution. Voilà, donc au début, le sens étymologique qu'on donne au mot est généralement lié au sens matériel, au sens tangible. Donc, aqala, les Arabes dans leur péninsule arabique, ils utilisaient ce verbe pour dire aqala, aql al-dabbat, aql al-ba'ir. Aqala, c'est-à-dire l'attacher avec une corde ou autre pour l'empêcher d'aller voir, de fuir, de partir, de disparaître dans la nature. Et donc, de là, ils ont utilisé ce mot-là pour nommer la faculté humaine qui nous préserverait de nous perdre. Et cette faculté, c'est la raison. Très bien. Pourquoi? Parce que la raison, c'est lui qui nous attache, en quelque sorte, et qui nous enchaîne et qui nous préserve des aléas, des désirs de faire n'importe quoi. Donc là, nous voyons que on est parti, on a commencé le sens avec le sens tangible et on est arrivé à le sens de la raison. Alors du coup, donc on va pour bien comment dire, j'aimerais vraiment bien comprendre ce concept nouveau, un peu révolutionnaire comme vous disiez, par rapport au sens qu'on pourrait donner sur le plan religieux donc du mot arabi. Voilà, donc ici par exemple là, inna anzalnahu qur'anan arabiyan. Donc ça voudrait dire voilà que c'est un Coran qui est descendu en arabe. Un Coran arabe. Langue arabe. Un Coran arabe, voilà. D'accord. Voilà. Et donc la relation qu'il y aurait avec le... La'allakum ta'qilun, avec l'aql, avec la raison, donc c'est quoi en fait cette relation C'est dans l'espoir que, afin que vous puissiez accéder à la raison, c'est-à-dire au savoir, à la connaissance. Mais surtout, le savoir et la connaissance, nous allons le voir dans d'autres versets coraniques. Ici, la'allakum ta'qilun, afin que vous raisonniez, que vous accédez à la raison, en quelque sorte. Et donc, nous comprenons que c'est grâce au fait que le Coran soit arabe que l'on peut espérer accéder à la raison. Et donc là, c'est une sorte d'équation. L'arabicité conduit à la raison, en quelque sorte. Très bien. Voilà. Très bien. Dans d'autres versets coraniques, nous trouvons que le Coran met l'arabicité avec d'autres notions, telles que le ilm, telles que le savoir. Donc, par exemple, dans Sourate Fussilat, nous trouvons le verset qui dit, c'est le verset 3, Kitabun Fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyan li qawmin ya'lamun. Vous remarquez, Qur'anan arabiyan, un Coran arabe, li qawmin ya'lamun. Pour les gens qui savent. Donc là, arabi est mise en relation directe avec le savoir. Tout à l'heure, c'était avec la raison. Maintenant, c'est avec le savoir. Donc il y a un lien direct entre l'arabicité du livre sacré qui devrait nous mener au aql et au ilm.
à la raison et au savoir. Voilà. Ainsi qu'à la piété d'ailleurs. Voilà. Il y a un autre verset aussi. Oui, tout à fait. Oui, exactement. C'est le verset qui est cité dans Sourat Az-Zumar, c'est le verset 28 qui dit Qur'anan arabiyan, encore une fois, Qur'anan et arabiyan, ghayra zi iwajin, la'allahum yattaqun. Comment traduire ou essayer de traduire ce verset coranique? Cela veut dire que c'est un Coran arabe dénué de tortuosité afin qu'il soit pieux. Donc là, arabicité conduit à la piété. Et c'est pour cela que ce penseur a dit que être arabe, c'est en fin de compte, c'est être musulman, c'est être pieux. Voilà. Et donc là, cette idée que j'ai qualifiée de révolutionnaire, elle trouve un appui dans un autre terme qui est mis dans les dictionnaires arabes en opposition au terme de arabe. C'est le terme al-ajam. C'est le contraire. Al-ajam et l'ajam et l'ajma. Ce terme, que veut-il dire? Donc, encore une fois, du point de vue étymologique, ce terme de ajama et de ajam signifie être difficile. Al-ajmatu, c'est la notion de la difficulté. C'est quelque chose donc qui ne découle pas de source. C'est quelque chose qui est presque, disons le mot, presque contre nature. Al-ajam étant le contraire de l'i'rab, puisqu'on a dit que l'i'rab, c'est l'éloquence, donc l'ajam devient le balbutiement. Très bien, c'est le contraire. C'est une sorte, voilà, c'est une sorte de bégayement. Et vous en conviendrez que la caractéristique ou bien le signe distinctif de l'être humain, ce n'est pas le fait qu'il ne sache pas parler. C'est peut-être le contraire, même. Il faut qu'il sache s'exprimer. Et donc, à partir de là, si nous allons faire une certaine... Une analogie. Si nous disons que l'iman en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une nature humaine, c'est une fitra, c'est la nature première de l'homme, barakallahu fikum. Si nous disons que l'iman, c'est la fitra, correspond à la fitra, nous allons dire que l'ilhad est contre nature. C'est-à-dire le contraire, le contraire, de la foi. C'est l'athéisme, donc. Ouais. Si donc par la même occasion, si nous disons que al-uruba, c'est le fait d'être musulman, que cela ne vous choque pas, voilà, j'essaie de traduire au fur et à mesure, désolé. Voilà, excusez-moi, donc parce que le public est assez francophone. Voilà, hein. Barakallahu fikum. Donc nous pouvons... Donc si on dit que l'arabicité, al-uruba, oui, c'est d'être musulman, oui. Ça veut dire que al-ujma, c'est d'être non musulman. D'accord. Et donc ça n'a, encore une fois, ça n'a rien à voir avec une filiation sanguine. C'est l'ujmatou, c'est le fait d'être contre nature. Très bien. C'est le fait de ne pas bien s'exprimer, c'est le fait de ne pas montrer son fond. C'est le fait de cacher ce qui est naturel en lui. C'est d'être contre nature. Si c'est l'iman, c'est la nature l'iman, c'est la foi et la nature humaine, la nature propre de l'homme. Donc l'athéisme, c'est contre nature. D'accord, très bien. Voilà. Alors j'ai envie de dire, peut-être pour terminer cette première émission, oui. Dernière petite question. Alors oui. On a fait une très belle relation oui. Entre l'arabicité du Coran oui. Et la raison. L'arabicité et la taqwa, le savoir, et ensuite la piété. Oui. Alors du coup. Cette relation, oui. Si je comprends bien, oui. En fait, disparaît totalement si oui. Je lis une traduction en français, finalement, ou en anglais ou en chinois. Parce qu'il n'y aura pas cette arabicité du livre qui est censée m'amener à ces grandes lignes. Oui, ou quelque part, j'ai envie de dire. Bien sûr, vous en conviendrez que la traduction, n'importe quelle traduction du texte coranique n'est pas le texte coranique. Le texte coranique, c'est un texte révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a sa propre langue, il a ses propres règles grammaticales, il a sa propre logique des choses. Et toute traduction, comme vous le savez peut-être, est une trahison. Donc aucun texte humain ne peut se substituer au texte révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien. Barakallahu fikoum, Oustaz Khadija. À très bientôt pour une prochaine émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات